juste un petit coucou depuis notre chambre d'hôtel parce que là on se pose avant de ressortir. On est au Travelodge London City, qui est donc dans le quartier de Whitechapel, qui est un quartier qu'on aime beaucoup. Et donc on a pris les super rooms parce qu'elles étaient un peu plus grandes et un peu plus confortables que les standards. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des grandes chambres avec un bureau, etc. Même une machine à café, du chocolat, du thé, tout ça. Je vais juste vous prendre en face cam 2 petites secondes parce que je ne vous ai pas pris du tout aujourd'hui. Me voilà avec ma tête de fatiguée de quelqu'un qui a passé la journée à voyager et à marcher. Je vous reprendrai sûrement un petit peu plus tard dans la soirée, mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous plaît et continue à vous plaire. Je vous dis à plus tard. Allez, ciao! Thank you.
Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche matin, je suis dans St. James's Park, donc pas très loin de Buckingham Palace. On est sorti ce matin, en fait mon chéri est très très malade, il est pas bien du tout et donc il est resté à l'hôtel et là mes parents sont partis au Churchill War Rooms et moi je vous avoue que c'est pas franchement mon genre de musée préféré. J'avais plutôt envie de profiter du soleil et de prendre un peu l'air, donc je suis venue ici me poser au parc. J'espère qu'il y aura pas trop de bruit parce qu'il y a énormément de monde forcément, c'est un des parcs les plus fréquentés de Londres. Mais là, je vais me poser un petit peu pour peindre. J'espère que les images d'hier vous auront plu. Je vous ferai peut-être un point un peu plus détaillé un peu plus tard. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou et j'espère que vous passez un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus tard. Thank you.
coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi pour clôturer ce vlog. C'est vrai que je ne vous ai pas pris depuis un certain temps. La dernière fois que je vous ai pris en face cam, c'était dimanche matin. Mais vous avez quand même eu des petites images du reste de notre week-end. En fait, hier, donc, on est rentré à Édimbourg, il y a 4 heures de train. Ensuite, le temps d'arriver chez nous, il était 5h30. Ensuite, on a fait les lessives, on a rangé, on s'est occupé de notre lapin. Il y avait des copains qui étaient venus s'occuper de lui pendant le week-end. Mais évidemment, on était content de pouvoir le retrouver et de s'occuper de lui. Et puis après, bah, on était crevés. On est tombé comme des masses à 10h du soir. Mon chéri est encore bien malade. Ça va beaucoup mieux qu'il y a 2 jours où il était vraiment KO, KO, KO. Mais il est pas top et il a pris sa journée aujourd'hui pour pouvoir se reposer. Et ce matin, j'avais encore des choses à faire. C'est pour ça que je vous ai pas repris avant. Mais je voulais quand même vous faire un petit peu un débrief de notre week-end et puis aussi vous montrer nos achats ou en tout cas mes achats. Ceux de mon chéri, à mon avis, ça vous intéressera pas trop. Je suis super contente d'avoir pu passer ce week-end à Londres. On est donc allé retrouver mes parents parce qu'ils habitent dans le nord de la France et donc pour eux c'est assez simple d'aller à Londres en Eurostar. Donc j'étais très contente de les voir, on les avait pas vus depuis Noël. Et le seul truc c'est que bah donc mon chéri était vraiment malade, il était pas bien du tout. Il a fait que le samedi avec nous et tout le dimanche il est resté à l'hôtel. C'est dommage parce que le dimanche on avait réservé exprès un musée qu'il voulait faire depuis longtemps, donc les War Rooms de Churchill, qui est donc un musée dédié à Churchill comme son nom l'indique et à la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros c'était un petit peu le QG de Churchill. C'était un musée que mon chéri voulait faire depuis longtemps et bah malheureusement il faudra qu'on y retourne, c'est pas très grave, je dis malheureusement mais en fait heureusement, ça fera juste une excuse supplémentaire pour retourner à Londres, qui est une ville qu'on aime beaucoup, on aime vraiment énormément cette ville. On retourne toujours dans le quartier de Whitechapel, là on a testé un nouvel hôtel, donc le Travelodge. C'était pas le meilleur des hôtels, clairement ça reste un hôtel petit budget mais c'était vraiment très chouette et surtout très bien placé. On a bien mangé pendant tout le week-end, on a beaucoup marché. Entre samedi et lundi, je crois que j'ai marché quelque chose comme 35 ou 36 km. Bref, je suis rentrée hier, j'étais vraiment KO. Mais donc voilà, je voulais aussi vous parler du Sky Garden. Vous l'aurez vu sur les images d'avant. C'est donc un jardin botanique en quelque sorte, mais qui se situe en haut d'un gratte-ciel. Il est au 35e étage, je crois. On y allait le samedi au moment du coucher du soleil et c'était absolument parfait. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir la galerie de Mina Lima, donc les designers qui ont fait pas mal des accessoires et des décors dans Harry Potter. On était déjà allé au studio Warner Bros. Il y a 2 ans, donc on a vu vraiment l'exposition et les décors et les accessoires et les costumes de l'univers Harry Potter dans son ensemble, mais on avait quand même envie de découvrir le travail des designers un peu plus précisément, donc c'était très sympa, d'autant que là, à partir de cette année, c'est plus orienté vers les animaux fantastiques, avec notamment le nouveau film qui vient de sortir. Nous, on va aller le voir dans quelques jours. J'ai pas du tout aimé le deuxième film des animaux fantastiques, en plus il y a eu pas mal de polémiques autour, mais bref, j'avais quand même envie de donner une chance au troisième, et le fait de visiter la galerie de Mina Lima, ça a confirmé mon envie d'aller le voir, donc comme ça je pourrais me faire mon propre avis. Quoi d'autre, il faisait vraiment très beau et ça c'était chouette parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on y allait avec mon chéri il y a 2 ans, bon c'était au mois de février d'accord, mais il faisait pas franchement très très beau et surtout il faisait très froid alors que là on pouvait se balader en t-shirt avec les lunettes de soleil et c'était super agréable. Je vais passer à mon avis avec la partie qui vous intéressera un petit peu plus et qui sont mes achats et ce que j'ai ramené. Je vais commencer par 4 choses que je n'ai pas achetées dans la mesure où ce sont des cadeaux que ma maman m'a ramené. Elle avait pris simplement un sac à dos et il faut reconnaître que mes cadeaux prenaient une sacrée place dans le sac. La première chose qu'elle m'a ramenée, c'est quelque chose que je lui avais demandé depuis un petit moment et qui ne rentrait pas dans un des derniers colis qu'elle m'a envoyé. C'est le tome 4 de La Quête des Whelan en BD, donc l'adaptation des romans de Pierre Bottero, bien sûr, par Lilian et Baldetti. On est ici sur le tome qui est dédié à la partie de la saga qui se passe dans les plateaux d'Astarhul. Je vous rabats toujours les oreilles avec cette saga, donc je vais m'arrêter là pour ça. Mais donc sachez que j'aime toujours autant cette adaptation en BD et que je suis très contente de pouvoir avancer dedans. Toujours dans la catégorie des livres que je lui avais demandé il y a quelques temps, elle m'a ramené Le Paris des Merveilles, donc l'intégrale de chez Bragelonne à 10 € par Pierre Pével, bien évidemment. Je lui avais demandé de m'acheter ce livre à sa sortie, donc vous savez, au moment de l'opération Bragelonne des intégrales à 10
10 euros, à peu près au mois de septembre. Et en fait, elle s'est lancée dedans, elle a adoré et elle s'est enchaînée les 3 tomes. C'est pour ça qu'elle ne l'a ramené que maintenant. Mais je suis contente que ça lui ait plu. Moi, pour l'instant, du Paris des Merveilles, je n'ai lu que le premier tome il y a quelques années. J'en garde pas un excellent souvenir, j'en garde un bon souvenir. Et pour tout vous dire, je suis pas sûre de me rappeler de tout. Donc je pense que j'irai chercher un petit résumé spoilant avant de lire les tomes 2 et 3. Mais voilà, c'est un petit peu un classique moderne, entre guillemets, de la fantasy ou du fantastique francophone. Donc il va vraiment falloir que je me les lise assez vite. Et cette édition est absolument canon. Il faut juste que j'enlève ce satané autocollant rouge. Dernier livre qu'elle m'a offert, il s'agit d'une surprise. Elle m'a acheté le petit grimoire des sorcières de P. Jezekel et Charline. On est ici sur un tout petit ouvrage, c'est édité à la maison d'édition au bord des continents. Elle l'a acheté, vous le voyez peut-être avec le marque-page juste là, à la librairie du Légendarium à Arras, qui est une librairie qui est dédiée à la SFFF. J'y suis pas allée beaucoup, mais à chaque fois j'ai trouvé qu'ils avaient un excellent choix en la matière, donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment un endroit très sympa. Et on est ici donc sur un petit tout ouvrage, comme son nom l'indique, dédié aux sorcières. Ça parle des familiers des sorcières comme le chat noir, ça parle de pierre, ça parle de tradition, ça parle du sabbat, ça parle de certaines sorcières célèbres. Et comme vous le voyez, c'est un petit ouvrage très joliment illustré et que j'ai hâte de pouvoir feuilleter. Je pense que c'est pas le genre de lecture que je vais faire d'une traite, c'est plutôt le genre que je vais aller regarder de temps en temps quand j'ai envie. Et enfin, ça, c'est un cadeau, mais avec une idée que je lui avais glissée plus ou moins subtilement il y a quelque temps, et je savais qu'elle l'avait commandé. J'en suis absolument ravie. Il s'agit du set Côte d'Opale. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc, c'est une mini palette d'aquarelles. Il s'agit d'aquarelles artisanales françaises. C'est fabriqué par Isabelle, donc de Rêve d'Aquarelle. Ce sont de très très belles aquarelles. Vous en avez deux qui sont nacrées. Vous voyez le rose, donc Armeria, et celle-ci phoque. Elles sont légèrement nacrées. Voilà, on le voit si je fais comme ça. Et elles sont absolument canon. Vous le voyez, j'ai déjà swatché les couleurs en haut dans la petite grille de swatch fournie par la créatrice. Comme ça, on voit bien le scintillement. J'ai déjà peint un paysage avec ce set, j'ai pas pu m'empêcher, donc je suis rentrée hier soir et ce matin j'avais déjà peint un paysage avec. Si vous voulez le voir, il est sur mon compte Instagram dédié à l'aquarelle, mais je suis très très contente de la qualité avec. Isabelle avait mis plusieurs, je crois 6 ou 7 dot cards d'autres couleurs pour tester et j'ai hâte de les essayer pour voir s'il y a d'autres couleurs qui me plaisent, éventuellement passer une commande à l'avenir. Et donc voilà, ça c'était un très très beau cadeau et je remercie encore ma maman pour ce magnifique cadeau. Ensuite, on va passer à mes propres achats. Vous allez voir que j'ai été relativement raisonnable. Je dis bien relativement, ça n'engage que moi. On commence par ce que j'ai ramené de la galerie Minarima. Il y a beaucoup de choses très très belles, il y a des affiches notamment, on peut même acheter la tapisserie par exemple de la famille Black en rouleau qui coûte, tenez-vous bien, 90 livres le rouleau. Donc si vous voulez faire votre chambre avec, eh ben, bon courage, à mon avis il vaut mieux hypothéquer la maison avant. Mais j'avais quand même envie de ramener des petits souvenirs et donc je me suis choisi 3 cartes postales qui iront dans ma bibliothèque. J'en ai déjà une, je sais pas, non, on la voit pas là. J'en ai déjà une que j'avais achetée il y a plusieurs années ici à Édimbourg, mais donc j'en ai choisi 3 nouvelles. La première, c'est un abécédaire du monde des sorciers façon manuscrit ancien. J'aime beaucoup beaucoup le style, je vais vous montrer un petit peu plus près. En plus, vous voyez, il y a des dorures. Bref, c'est vraiment très très beau. J'adore le travail de Minalima. Voilà. Je le trouve absolument canon. Bon, désolé, je vous reprends face repose-pied. J'ai eu un problème avec mon trépied, il n'a plus de batterie et donc il ne pouvait plus soutenir le téléphone. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement voilà, j'ai un trépied qui a besoin d'une batterie. Je vous montre encore une fois de plus près. J'aime beaucoup le fait que le H soit en surbrillance pour rappeler Harry. Voilà, très très beau. Ensuite, la deuxième, c'est une carte postale, désolé pour les reflets, dédiée aux potions. Vous avez différentes étiquettes de potions, je les trouve très très belles. Là encore, le style très ancien, très vintage, je trouve ça absolument canon. Je vous montre de plus près l'aconite, le venin d'acromantule, de la chenille en tranche.
Et hop, une étiquette qui appartient à Slughorn. Et enfin, la dernière carte que j'ai prise, c'est la carte de Poudlard et du terrain aux alentours. Façon, encore une fois, vintage. Vraiment, désolé pour les reflets. J'espère que ce sera pas trop gênant. Et vous voyez, sur celle-là, il y a aussi beaucoup de dorures. Elles sont très très belles. Je pense qu'elles vont être parfaites dans ma bibliothèque. Ensuite, pour rester dans la thématique générale des livres, on est passé à Forbidden Planet, qui est une boutique qui est dédiée à l'univers geek en général. Donc, il y a énormément de merch. Il y a beaucoup de figurines. Il y a beaucoup de produits dérivés. Et en bas, ils ont un rayon librairie assez fou. Il est très très grand et il est dédié donc à la SFFF, et je me suis acheté le dernier tome d'une saga que j'aime beaucoup. Il s'agit de Within the Sanctuary of Wings, A Memoir by Lady Trent de Mary Brennan, et c'est donc le dernier tome de la saga Une histoire naturelle de dragon. J'adore cette saga. Je voulais acheter ce dernier tome à Forbidden Planet parce que j'avais acheté un des tomes précédents là-bas. Déjà, je l'avais eu en signé. Celui-là n'est pas signé, mais c'est pas grave. J'étais juste contente de pouvoir me le procurer et je pense qu'il va être lu très rapidement dans la mesure où le mois de la fantasy arrive à grands pas. Et ensuite, vous l'aurez vu sur les images avant, je suis passée avec mes parents chez Hatchet, qui est une des librairies les plus vieilles encore en activité de Londres, dans la mesure où elle a ouvert en 1797. C'est une très très belle librairie. Je crois qu'en tout, il y a 7 niveaux et c'est vraiment le style de librairie que j'aime à l'ancienne, avec les moquettes, les rambardes en bois, les lustres, etc. Je l'ai trouvé vraiment canon et je me suis procuré un livre que j'attendais là encore depuis très longtemps. Il s'agit de Date with Betrayal de, bien évidemment, Juliet Chapman. C'est le dernier tome à ce jour de The Dales Detective Series, donc les détectives du Yorkshire. Je suis très très contente de l'avoir. Il est sorti ici au Royaume-Uni il y a presque 2 semaines, parce que oui, on les a bien après la France. C'est complètement délirant. L'autrice est anglaise et ils sortent en France, je crois, à peu près 6 mois avant la version originale. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Et avec, j'ai eu un joli marque-page de la librairie. Il a un petit peu souffert pendant le voyage, mais voilà. Vous voyez, cette façade, elle est vraiment canon. Je pense que je vais essayer de plastifier ce marque-page pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir avant de craquer et de me lancer dans ce tome, mais le dernier tome nous laissait sur un gros cliffhanger, et donc je pense que ça va pas durer trop trop longtemps. Ensuite, le dimanche après-midi, je suis allée manger à Covent Garden avec mes parents. Et dans Covent Garden, il y a une boutique que j'aime beaucoup et qui me fait toujours autant rire. C'est le Moomin Shop. Vous avez peut-être vu des images. J'ai filmé, je crois, la montée d'escalier qui est absolument vraiment beaucoup trop mignonne. Les Moomin, vous connaissez peut-être, c'est des petits personnages, des espèces de petits trolls. À l'origine, c'est une série de livres de Finlande, il me semble. Et moi, j'ai connu parce que quand j'étais petite, j'avais eu un ou deux livres. Ensuite, il y a eu les dessins animés. J'y étais allée il y a quelques années. Dans cette boutique, j'avais ramené, je crois, un magnète. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué, je me suis acheté des chaussettes. Elles sont beaucoup trop choues, donc vous voyez ici le motif. Elles sont vraiment trop trop mignonnes. J'en aurais bien acheté pour mon chéri pour la blague, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de taille homme en vraiment grande taille, ça s'arrêtait aux 40. Donc bon, c'est dommage, écoutez, j'essaierai de lui en trouver d'autres parce qu'elles sont vraiment trop trop choues et surtout elles sont à mourir de rire, ces chaussettes. Bref, c'est juste moi et mon esprit de collectionneuse de chaussettes. Voilà, on enchaîne. Allez, on passe à mon dernier achat. Je pense que ce dernier achat va vous faire sourire. C'est un petit peu kitsch, mais j'ai craqué en le voyant. Vous allez sûrement vous demander de quoi il s'agit. Là, ce que vous voyez là, ça vous donnera sûrement un indice. C'est en fait une boîte à biscuits, c'est une boîte à shortbread que on a achetée chez Marks & Spencer. On a des Marks & Spencer à Édimbourg, bien évidemment, mais cette boîte, je ne l'avais jamais vue. Je pense que c'est une édition que l'on ne trouve pas forcément dans toutes les boutiques. Ma mère s'est achetée la même. Vous voyez donc, ça représente Big Ben, et en fait, sa particularité, c'est que c'est réellement une horloge. Vous pouvez mettre des piles dedans, et une fois que vous avez fini la boîte à gâteaux, vous en servir comme horloge, et le tour est aussi très très beau. On a plein d'endroits emblématiques du Royaume-Uni, avec même le château d'Édimbourg. Vous voyez la chaussée des géants en Irlande. On va pas tout faire, mais voilà, le viaduc de Glenfinnan, par exemple. Bref, c'est un peu kitsch, mais les shortbread à l'intérieur sont très bons parce qu'on a déjà mangé quelques-uns avec mon chéri. Et j'adore cette boîte. Je ne suis pas forcément une grosse collectionneuse de boîtes, mais quand j'ai vu celle-là, je l'ai trouvée absolument canon. Et je me suis dit que ça serait bien, par exemple, pour ranger soit du matériel de dessin, soit pour ranger, bah, par exemple, mes aquarelles artisanales, pour toutes les avoir au même endroit. Je vais juste vous repasser en face cam. Donc voilà pour ce vlog à Londres. J'espère que ça
vous aura plu. J'espère qu'éventuellement vous aurez découvert des choses que vous connaissiez pas forcément avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que j'ai achetés, vous en avez lu certains ou si certains vous font envie. Je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou éventuellement à recommander cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!